un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Bazette qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur tu l'es à chaque fois. Zorro. Entrez. Buenos días, don Diego. Buenos días, padre. Bonjour, Bernardo. Êtes-vous venu ici dans le but de me battre encore aux échecs? Non, padre, je tenais simplement à vous rendre l'ouvrage que vous m'aviez prêté. Ah oui, il s'agit de l'histoire de l'Église en Amérique du Sud. Ça vous a intéressé, don Diego? Oui, beaucoup. Mais ce que j'aimerais, ce serait d'avoir votre avis sur un point dont on parle ici. Mmh. Me permettez. Tenez. Là, ce bijou qu'on appelle la Croix des Andes. Si j'en crois la rumeur, on l'aurait volé ces temps-ci. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? À mon grand regret, c'est exact. Elle a disparu il y a plusieurs mois de cela, avec bien d'autres trésors, lorsque bon nombre de nos églises d'Amérique du Sud furent pillées. Voilà d'assez tragiques nouvelles, padre. Le préjudice, est-il important? Si vous voulez parler de la valeur en pesos, c'est une fortune qu'on a volée, mais beaucoup de ces trésors représentaient des objets symboliques inappréciables. Eh bien, merci pour le livre. Faut-il que vous partiez déjà? J'en ai bien peur, hélas. Hasta la vista. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Apparemment, M. Mouriet a d'autres trésors volés en dehors même de la Croix des Anges, mais voilà, où sont-ils? Quoi qu'il en soit, nous aurons du fil à retordre si nous voulons arracher ces bijoux à Morietta et les rendre au clergé. Pour le moment, nous n'avons qu'à attendre qu'ils se manifestent. Le petit. Je voudrais parler à Don Diego. Est-ce qu'il est à la maison? Ah, et j'oublie toujours que vous ne pouvez ni parler ni entendre. Mais si vous êtes sourd, comment avez-vous pu entendre frapper à la porte? Les vibrations, sergent. Bonjour, Don Diego. Je voulais savoir comment un sourd muet comme Bernardo a pu m'entendre frapper à la porte. Non, il n'y a aucun mystère. Bernardo est très sensible aux vibrations. Ben, il m'a entendu, les vibrations n'ont rien à voir avec ça. Ah, j'ai peur que vous ne saisissiez pas, sergent. Vous voyez, Bernard ressent les vibrations que certains objets émettent, comme celui-ci. Vous voyez? Hey! Oh, pitié, Don Diego, votre musique me tape sur les nerfs. À quoi dois-je le plaisir de votre visite, sergent? Je suis venu vous dire qu'il n'y aura pas de fête ce soir. Pas de fête? Mais quelle fête? La fête à l'auberge où je vous invitais en l'honneur de la señorita Bastinano. Laissez-moi faire le point, sergent. Expliquez-vous, vous faites le chemin jusqu'ici pour annuler une invitation à une fête à laquelle vous ne m'avez pas encore invité? Ah si, Don Diego, je pense que le moins qu'on puisse faire pour ses amis est de les informer franchement de nos intentions. Mais pourquoi annulez-vous cette fête? Ah, parce que j'ai pas de quoi payer l'addition. Ne vous tourmentez pas pour moi, Don Diego. Je vais essayer d'expliquer la chose à Mademoiselle Bastinado. Mais voilà, il est probable qu'elle ne m'adressera plus la parole. Enfin, je suppose qu'il y a encore d'autres demoiselles sur Terre. Oh, beaucoup d'autres, sergent. Vous n'allez pas ajouter un mot, Don Diego. Uniquement, adios. Adios. Ah, sergent. Si.
J'ose espérer que la suggestion que je vais vous faire ne heurtera pas votre fierté, mais... Est-ce que vous auriez une objection insurmontable à me laisser financer votre fête? Oh non, Don Diego, je ne saurais vous permettre ça. J'apprécie votre générosité, c'est simplement hors de question. Oh, bien sûr, si vous insistez. Oh, Don Diego, votre générosité a vaincu ma fierté. Merci, à ce soir à l'auberge, je vous y attends. Adios. Toi, tu étais bien prêt de te trahir, hein? Tu écoutais aux portes. Oui, j'irai à cette réception, mais je ne suis pas d'humeur à cela. Je pense surtout à ce Carlos Murrieta. Nous savons qu'il est membre de la couvée de l'Aigle et qu'il a la fameuse Croix des Anges dans sa possession. Mais si jamais c'est lui qui a pillé les églises, pourquoi est-il venu ici et où sont les joyaux? Oui. Mais es-tu sûr de les avoir vus en fracturant la caisse de bottes à la tannerie? N'as-tu pas fait erreur? Une minute plus tard, quand nous avons regardé dedans, elle était vide. Si Murrieta est venu ici rien que pour livrer les bijoux, pourquoi y reste-t-il? Oui, il attend peut-être bien un message de l'Aigle. Tu sais, il est presque certain, selon moi, que l'Aigle ne peut confier tous ses bijoux à un seul messager. Donc, il paraît logique de voir dissiper un autre messager arrivé d'Amérique du Sud. Alors, j'espère que vous vous rappellerez la liste de mes nombreuses vertus avant que la danse ne commence, caporal. Souvenez-vous, vous les exposerez à mademoiselle à la première occasion. Le sergent a le cœur plein d'indulgence et de chaleur. Continuez. Il est généreux et compréhensif. Sa bravoure n'a jamais fait l'objet d'un doute. Ah bon, on en apprend des choses, sergent. Oh, combien de fois me faudra-t-il vous dire de m'appeler commandant? Allez, asseyez-vous et apprenez-moi cette liste mot pour mot. Allez-y. Don Diego! Je constate que vous avez votre guitare, hein? Rien de tel que la musique pour animer une fête. Non, dites-moi un peu, sergent, est-ce la señorita Bastinado qui possède un assez joli ranch pas loin de San Pedro? Ah, hey. Une charmante personne. Oh, elle est même plus que charmante en ce sens qu'elle a aussi un grand bazar, une maison de transport et une centaine de chevaux. Ah, je saisis. Je comprends davantage votre intérêt pour elle. Sergent, c'est vous le responsable de la prétendue garnison de ce petit village? Oui. Je fais fonction de commandant. Mon devoir est de maintenir la paix, de protéger les citoyens de Los Angeles contre toute attaque des forces adverses et d'obéir aux ordres du vice-roi du gouvernement du roi d'Espagne. Est-ce aussi votre devoir de rester dans cette taverne à imbiber de vin votre panse trop rebondie pendant que ce misérable village est entre les mains des voleurs? Seigneur, sachez que si je bois du vin, c'est pour ma santé. Mon médecin m'a prescrit ce remède. Des voleurs? Mais quels voleurs? Les hommes qui cette nuit ont pénétré chez le seigneur Mordante à la tannerie. La tannerie? Mais qu'est-ce qu'on a pu emmener? Ma caisse de bottes importée d'Amérique du Sud a été fracturée et son contenu a été volé. Mais le seigneur Mordante habite lui-même là. Où pouvait-il être quand ça s'est passé? Le seigneur Mordante était à Capistrano pour affaires. Je vais faire un rapport là-dessus. Après que ce Mordante ait fait perdre connaissance, il a peut-être sorti les joyaux de la caisse et puis les a cachés quelque part dans la tannerie. Je pense que les joyaux y sont toujours. On peut très bien se passer de votre rire sarcastique. J'ai jamais tant ri depuis des années. Silence! Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Je vais fouiller la tannerie. Caporal, je serais assez d'avis que vous appreniez tout ça par cœur. Oh, sergent. Oui, Don Diego.
J'ai peur qu'il ne me faille partir. Oh non, vous ne pouvez pas me faire ça, vous êtes mon hôte, enfin mon invité. J'ai commandé toutes ces friandises et le reste. Eh bien, c'est que je me rappelle que j'ai une affaire importante à régler. Mais Don Diego, je me suis donné beaucoup de mal pour organiser cette fête. Voyons, Don Diego, on ne peut pas s'en aller quand l'invité d'honneur arrive. Bonsoir, chère et ravissante señorita Bastinado. Que vous êtes bonne d'être là. J'ai l'un de mes très bons amis. Puis-je vous le présenter? Don Diego de la Vega. Don Diego, c'est la señorita Bastinado. Señorita? Señor, je connais votre père. L'été passé, il m'a acheté 500 têtes de bétail de ferme. Oui, je me rappelle. Mon père estime que vous êtes très avisé en affaires. J'ai pris de la graine à force de voir discuter les messieurs. Touché, señorita. Voyons, je vous offre une friandise, señorita. Là, les bonbons sont délicieux. J'y ai moi-même goûté, je ne peux que les recommander. Señorita, Don Diego, à votre santé. Santé? Ben, excusez-moi. Est-ce que vous vous rappelez nos plans? Quel plan? Ce que je vous ai dit une centaine de fois. D'abord, je vous présente à la señorita. Ensuite, vous dansez avec elle et pendant la danse, vous pourrez incidemment lui montrer quel homme admirable je suis. Ah oui, c'est ça. Venez. Señorita, oh non, merci. Puis-je vous présenter mon aide de camp, mon bras droit dans la bataille, mon fidèle et dévoué compagnon, le caporal Reis des Lanciers du Roi. Charmé, caporal. Oh, sachez, señorita, que le plaisir est pour moi. Il se peut que le caporal, avec ma permission et celle de la señorita, veuille... Est-ce que vous pourriez jouer un petit air, Don Diego? Señorita, il est en votre pouvoir de faire mon bonheur complet. Oh. Voulez-vous consentir à danser avec moi? Eh bien, rien ne saurait autant me plaire. Ici. Je t'ai dit de venir. Pourquoi ne dis-tu rien quand tes supérieurs te parlent, idiot?
Hein? Je fracasserai le crâne pour ton impertinence. Maintenant, dis-moi dans quelle direction se trouve le village de Los Angeles. C'est fort bien, caporal. Mes efforts n'ont pu se faire plus gracieux que par la seule inspiration de votre présence. Oh. Ah, ce stupide caporal a sûrement tout dit à présent. Qu'a-t-il dit, sergent? Oh, rien du tout, Don Diego. Ce qu'un homme dit en général à une demoiselle quand il danse avec elle. Maintenant, señorita, m'accorderiez-vous la faveur d'une danse? Oh, merci, sergent. Une autre fois, certainement. Je me sens fatiguée ce soir. S'il vous plaît, excusez-moi. Bonne nuit. En tout cas, laissez-moi vous conduire jusqu'à l'escalier. Vous êtes vraiment charmant, caporal. Alors, vous lui avez dit? Dit quoi? Ce que je vous avais dit de lui dire sur moi, babouin. Que je suis brave, loyal, des plus fidèles et surtout modeste. Ah oui, je savais que j'avais oublié quelque chose. Vous avez dansé tout ce temps-là et vous n'avez rien dit du tout. Oh non, on a parlé de bien des choses. La señorita et moi sommes en sympathie, que je crois réciproque. Ah! Caporal, avez-vous entendu parler du désert de Morave? Oui. Ça vous tente de passer quelque temps là-bas? Je n'y tiens guère, sergent. L'air du désert n'a jamais été très bon pour moi. Eh bien, caporal, si vous ne cessez pas de jouer les galants chevaliers avec ma señorita, je vous ferai respirer l'air du désert pour le restant de votre engagement. Buenas noches, señor. J'aimerais trouver mon frère, Carlos Murrieta. Ah, vous êtes le frère du señor Murrieta? Non, c'est lui qui est mon frère, je ne suis pas le sien. Ah, c'est une curieuse parenté. L'un est un frère dans une direction, mais pas dans l'autre. Ah, vous devez plaisanter, señor. Savez-vous où mon frère se trouve? Mais oui, il est à la... Qu'est-ce que c'est, señor? Ce sont des bolas sud-américaines. À quoi ça sert? Ça sert à chasser. C'est une sorte de lasso. J'ai étranglé pas mal de bêtes avec elles. Comme ça, je serais même capable d'étrangler un éléphant. Seigneur, il faut pardonner au sergent sa curiosité, mais fort peu d'étrangers passent par notre village. Et c'est mon devoir d'interroger les étrangers. Votre frère a une chambre là-haut. Mais au fait, êtes-vous aussi un portateur de bottes? Quel que soit mon métier, monsieur, il me regarde. Pardonnez-moi d'avoir supposé que vous aviez le même métier que votre frère. Et après, qu'est-ce que ça ferait? Carlos! Pedro! Viens, nous avons beaucoup à discuter. Eh bien, sergent, c'est une excellente aubaine pour vous. Vous savez le nom de l'homme, ses relations avec Carlos Murrieta, et plus important que tout, que lui aussi importe des bottes. Ah. Carlos, est-ce que tu as une idée quelconque de qui a volé les joyaux et tué Mordante? Je ne suis pas sûr, mais je soupçonne un homme qui porte un masque. Et se fait appeler Zorro. Ouais, que faisons-nous? Il faut trouver cet homme, Zorro. Il faut le faire parler. Lui faire avouer ce qu'il a fait de nos joyaux. Nous irons à la tannerie cette nuit et fouillerons dans tous les coins. L'homme a peut-être laissé un indice qui nous permettra de le capturer. Thank you.
Maintenant, mon ami masqué, où sont les joyaux? Tu vas parler! Carlos, laisse-moi le plaisir de le faire parler. C'est un truc dont on sert en Amérique du Sud pour prendre les écureuils. Quand ça se rapprochera davantage, ça te délire à la langue. Buenas noches, señores. Zorro. Ils sont deux. Je gage votre plaisir, señores. Je sais, mais les Zorros doivent s'entraider. Si pacifique, tu te sers fort bien de ceci. Eh bien, nous avons au moins une consolation. Ces beaux frères Morietta ne savent pas plus que nous où sont les joyaux volés. Je crois qu'il faudrait surveiller de près la route de San Pedro. J'ai un fort soupçon qu'une autre caisse de bottes va arriver. Non, je crois qu'il faut laisser notre ami, le sergent Garcia, se couvrir de gloire. Ça peut aider à le mettre dans les bonnes grâces de la señorita Bastinado. Et dans ce domaine, j'ai bien peur que le sergent ait besoin d'un petit coup de pouce.